Nous allons chanter les anges dans nos campagnes. Et je vais inviter les enfants qui le souhaitent à suivre le frère Joseph. Nous allons processionner depuis le fond de l'église en remontant dans les bas-côtés avec l'enfant Jésus. Et nous chantons. Et je vous invite à chanter. Il faut que tout le quartier entende cette bonne nouvelle. Un sauveur nous est donné. Je vais inviter les enfants à rejoindre leur place. Et à la fin de la célébration, ils pourront admirer le petit Jésus qui est là au milieu de nous. Je commencerai mon homélie, qui sera brève, ne vous inquiétez pas, par une petite histoire que j'ai trouvée sous la plume d'un auteur très sérieux par ailleurs, c'est Kierkegaard. Donc, généralement, il écrit des textes philosophiques compliqués, mais là, c'est une belle histoire qui va nous permettre de rentrer dans cette fête de Noël. C'est l'histoire d'un prince. Un prince bon, mais qui vit malheureusement seul.
Un jour, ils croisent comme cela, au hasard, une femme qu'ils trouvent magnifique. Et aussitôt, son cœur se met à palpiter. Il est fou, amoureux de cette femme. Parce qu'il est prince royal, il fait une petite enquête, il fait mener une enquête pour savoir qui est-elle. Et là, on lui dit, cette femme, majesté, est la fille d'un couple de paysans, très pauvre, très pauvre. Alors notre prince se dit, comment faire? Moi qui suis de descendance royale, il y a un monde infini qui nous sépare. Elle et moi, comment faire? Comme je suis un roi, je pourrais édicter un décret royal faisant de cette femme ma reine. Mais je me poserais peut-être alors une question, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ou est-ce parce qu'elle est obéissante qu'elle m'a suivi? Je pourrais aussi aller à sa rencontre avec tous mes attributs royaux, lui montrer cette majesté qui est la mienne. Mais là encore, certainement, elle me suivrait. Mais me suivrait-elle parce qu'elle m'aime ou parce qu'elle est éblouie par le faste de ma cour, par le faste de ma majesté? Non, ce n'est pas une bonne solution. La bonne solution, quelle est-elle? Se dit ce prince. Eh bien, je vais me faire paysan. Je vais me faire paysan. Je vais me faire tout petit et jour après jour, mois après mois, année après année, je vais la séduire, je vais la rencontrer. Et alors elle verra à quel point je l'aime. Je commence mon propos ce soir par cette petite histoire parce que la fête de Noël, c'est exactement la même chose. Dieu nous aime, il nous a créés et quand il nous voit, il est dans l'admiration. Ça se comprend quand on voit cette jeunesse. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée les animaux, les végétaux, Dieu vit que cela était bon. Et quand il nous crée, il vit que cela était très bon. Et le très est très important. Donc, Dieu a la passion de l'homme, a la passion de sa créature. Sauf que cette créature est désobéissante. Elle crie, elle pleure, un peu comme ses enfants, qui voudraient que la messe soit déjà finie. Voilà, on est souvent désobéissant. Alors que faire? Que faire pour nous remettre sur le droit chemin? Dieu aurait pu, dans sa toute-puissance, émettre un édit royal en disant que toute l'humanité est sauvée. Je le décide, parce que je suis le Seigneur, je suis tout-puissant. Donc je décide de sauver ce peuple par la force, comme Dieu l'avait fait finalement avec le peuple égyptien. Mais Dieu se dit, non, c'est pas ça, j'aime trop ma créature pour un salut qui serait purement extérieur. Non, ce que je vais faire, c'est de l'intérieur que je vais guider ce peuple pour le guérir, pour le remettre sur le droit chemin. Et comment faire? Eh bien, tout simplement, il se fait homme, il se fait l'un de nous. C'est le mystère de Noël qui est cette manifestation infinie de l'amour de Dieu, de l'amour pour nous, pour sa créature. Il nous aime, il veut nous sauver, mais il nous aime à ce point qu'il ne veut pas s'imposer. Alors il se fait tout petit bébé, tout petit nourrisson. Il y avait plein de petits enfants tout à l'heure qui admiraient cette crèche, et je me disais à quel point un enfant est fragile. Eh bien, vous voyez, à Noël, Dieu vient assumer cette fragilité. Il ne veut pas que nous allions à lui par crainte, par peur. Non, il ne veut pas que nous nous inclinions, que nous baissions la tête. Non, il veut que nous allions à lui comme ses enfants. Regardez ses enfants, ils sont émerveillés. Eh bien, c'est précisément ce que veut le Seigneur. Il veut que nous allions à lui par amour. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez une assistance avec des hommes à la mine patibulaire, à la mine un peu sévère. Et là, il y a un petit bébé qui arrive, qui fait un beau sourire, qui babille. Eh bien, je vous assure que le costaud va fondre, il va se mettre à vouloir jouer avec lui. Voyez, c'est cela, Noël, c'est ce Seigneur qui, par le bas, vient nous rejoindre par l'amour, par ce qu'il y a de bon en nous. Il révèle ce cœur qui est parfois obstrué par le péché, mais il nous révèle que nous avons un cœur pour aimer. Et l'enfant de la crèche nous invite à le suivre, non pas par la force, comme je le disais, mais par l'amour.
Ce qui est merveilleux quand on voit un petit bébé, c'est que tout est possible devant lui. Un nouvel avenir peut s'ouvrir. Nous avons accueilli sur la paroisse Jeanne d'Arc une famille, la famille Oudy, qui est parmi nous. Alors je ne sais pas, comme nous sommes nombreux, elle doit être dans cette assemblée. Et la famille Oudy, persécutée en Irak, qui a dû quitter le Kurdistan où il s'était réfugié, eh bien c'était la mort qui régnait. Ils sont arrivés à Rennes, et là il y a un petit bébé, William. Signe de joie, d'émerveillement. Tout devient possible. Là où la mort risquait de l'emporter, voyez, le message d'un enfant, c'est la vie qui reprend le dessus, cette vie qui est possible, cette vie qui est source de joie. Eh bien, c'est ce beau chemin que nous propose le Seigneur. Allons, marchons à la suite de l'enfant de la crèche. Amen.